Père, au nom de Jésus, nous glorifions ton nom. Nous te bénissons ce soir. Merci pour ton peuple. Merci pour chaque soeur, chaque frère. Merci pour chaque garçon, chaque fille. Merci pour chaque foyer. Merci pour nos amis qui se sont joints à nous. Merci pour toutes nos personnes qui sont avec nous, partout. Nous savons que ce soir, c'est une soirée spéciale. Toutes ces années, toute cette année et toutes ces lames de terre sur le visage des enfants seront essuyées. Tu vas détruire les œuvres du diable. Toutes les prières que fera quelqu'un ici ce soir, cette prière est exaucée. Les maladies vont partir. Les infirmités vont disparaître. Les puissances des ténèbres seront brisées. La pauvreté va quitter. Les maladies vont disparaître. Et tu béniras chacun ici ce soir au nom de Jésus. La joie illimitée. La joie est illimitée. La joie qui n'a jamais été dite. Un genre, une sorte de joie dont on n'a jamais parlé, dont on n'a jamais entendu parler, Seigneur, donne cela à chacun. Amène à chacun. Chacun ici aura la touche de Dieu. Tu vas porter des miracles au retour de ta maison. Remercions parce que nous savons que tu l'as dit à faire, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. J'espère un amen spécial de Ketou avant que vous ne vous asseyez là-bas. Amen. Dieu a déjà écouté votre voix. Il vous a entendu. Quelque chose vous arrivera ce jour. Dieu vous bénisse. Asseyez-vous dans les bénédictions du Seigneur. Il y a une invitation que Dieu vous a donnée. Vous en particulier, toi en particulier, ce soir, tu ne savais pas. Le Seigneur t'attendait avant que tu ne viennes. Il t'attendait afin qu'il puisse te bénir. Et ce soir, la bénédiction est venue. Jérémie nous dit, Jérémie 33, verset 3, ça c'est un genre de verset que vous ne pouvez pas oublier. 33, 3, et c'est Jérémie. Vous n'avez pas oublié ceci. C'est un message spécial pour vous. C'est une déclaration spéciale pour vous. Cela marque un jour spécial dans votre vie. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi. Est-ce que vous êtes inquiet? Invoque-moi. Es-tu en train de souffrir? Invoque-moi. Est-ce que tu es dépressé? Invoque-moi. Il dit, il y a-t-il un jour dans ta vie? Invoque-moi. Est-ce que les gens se moquent de toi? Invoque-moi. Est-ce que les puissances des ténèbres sont en train de peser sur ta vie? Invoque-moi. Est-ce que tu es malade? Invoque-moi. Est-ce qu'ils t'ont abandonné? Ils ont dit, tu vas mourir. Non, ça, ce mot est annulé ce soir. Invoque-moi et je te répondrai. Quelle autre chose attends-tu? C'est le Dieu Tout-Puissant qui te parle ici. Le Créateur te parle en tant que créature. Le Sauveur parle au pécheur. Le guérisseur parle aux patients. Et celui qui peut pouvoir à tous tes besoins parle aux pauvres. Celui qui délivre parle à l'opprimé. Et il dit, invoque-moi et je te répondrai. Et je t'annoncerai de grandes choses. Des choses, qu'est-ce qu'il te dit ici là? Il dit, un grand miracle se produit à toi ce soir. Ceci, tu ne pourras pas échapper à cela. Si tu vas à droite, le miracle va te poursuivre là-bas. Tu viens à gauche, le miracle va te poursuivre là-bas.
Et nous attendons ce jour. Je dis que nous attendons ce moment. Le moment où les miracles viendront. Où la puissance viendra. Où l'autorité viendra. Et maintenant le Dieu Tout-Puissant t'invite. Elle dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai, t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ce soir, le Seigneur te dit, tu peux prier avec confiance. Tu peux parler à Dieu avec assurance. Tu peux demander avec assurance. Parce que c'est le Seigneur lui-même. Il dit, je sais ce que tu traverses. Je connais la douleur de ton cœur. Je connais la pression. Je connais l'oppression. Je connais tous ces défis que tu traverses. Je connais la faim. Je connais également la pauvreté. Je connais ce qui arrive la nuit. Et je sais ce qui t'arrive l'autre nuit. Et tu penses, comment est-ce que je serai délivré? Il dit, voici ton jour de délivrance qui est venu. Je te vois là-bas, je te vois là-bas aussi. La puissance de Dieu va te toucher. C'est pourquoi il t'invite. Si tu peux répondre, si tu diras, oui Seigneur, me voici. Je viens et je prie. Cette prière sera exaucée. Invoque-moi. Il dit, invoque-moi. C'est lui seul qui peut régler ton problème. Il n'y a pas autre nom sous le ciel par lequel tu pourrais être sauvé. Aucun nom qui peut guérir toute maladie, qui peut ôter toute infirmité. Il n'y a pas autre nom qui peut briser tout joug et détruire toutes les œuvres du diable. C'est le seul que lui qui te dit, invoque-moi et te donne l'assurance. Il dit, l'autorité, il a envoyé l'autorité des cieux, la confiance d'en haut. Elle dit, je te répondrai. Toi en particulier, si tu n'as jamais répondu, reçu une réponse à ta prière, ce soir, voici la soirée de la prière exaucée. Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas ce soir? Si tu n'as jamais vu de miracle, ce soir, c'est la soirée de miracles. Des miracles spéciaux. Des miracles spécifiques. Un miracle défini. Un miracle qui est attaché à ton nom. C'est pourquoi Dieu dit, je te répondrai. C'est toi en particulier. Je dis toi en particulier. Ah, voici ton jour. Je dis voici ton jour. Elle dit, je t'annoncerai. Il va t'annoncer quelque chose. Tu diras, il dira, viens voir. Et tu vas voir. Si tu es aveugle, tes yeux seront ouverts. Il dit, viens voir. Si tu es paralysé, tu vas te lever, marcher. Il dit, viens et vois. Si tu amènes quelqu'un sourd et muet, les oreilles vont s'ouvrir, leur langue sera déliée. S'il y a une tuberculose quelque part qui te tue là-bas, cette mort va disparaître ce soir. La vie viendra. Parce qu'il a dit, je vais t'annoncer de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Il dit ce que tu n'as jamais connu. Ce que tu n'as jamais vu, ce que tu n'as jamais senti, ce que tu n'as jamais obtenu. Ce soir, c'est la soirée. Numéro 1, je te sauverai. Tous tes péchés seront essuyés, effacés. La culpabilité sera ôtée. L'oppression sera ôtée. Le jugement sera enlevé. Numéro 1, je vais te sauver. Numéro 2, je te guérirai. Quelqu'un là-bas est en train d'être guéri ce soir. Je dis quelqu'un là-bas est guéri ce soir. Si tu invoques, si tu lui dis, si tu cries à lui, et tu dis, Seigneur, je suis là, et tu lui montres où se situe la maladie, tu lui montres là où se trouve cette oppression, il dit, invoque-moi,
je te répondrai. 1. Je te sauverai. 2. Je te guérirai. 3. Je te purifierai. Vous voyez, il y a des moments où nous nous sentons souillés, sales. Est-ce que je peux venir en parlant de Dieu? Je me rappelle ce que j'ai fait. Je me souviens que je me suis enrôlé dans la boue spirituelle. Je me sens sale dans mon cœur. Je me sens souillé dans mon âme, à mes yeux, dans mon esprit. Il dit, invoque-moi et je te laverai. Le sang de Jésus va te laver. Il va te laver, te rendre plus blanc que la neige. Je te sauverai. Je te guérirai. Je te laverai, purifierai, je te vais te délivrer. Il dit, il n'y a pas de joug qui ne va pas rester, qui ne sera pas brisé ce soir. J'ai cette assurance définie dans mon cœur. Comme je sais que 2 plus 2 égale 4, je sais que toi et la délivrance, vous êtes ensemble. Parce qu'il a dit, je vais te délivrer. Et je te vois même là-bas. Et je vois le miracle sur ton front. Je vois la délivrance là-bas, sur ton front là-bas. Oui, je vois tes yeux là. Je vois ta femme là, je vois tes enfants là. La délivrance est venue dans ton foyer. Tous les jougs sont brisés. Toutes les puissances des ténèbres sont écrasées de ta vie. Et il dit, je te bénirai. Quelqu'un là-bas, ce soir, y a-t-il toute forme de maison dont tu es venu, pour laquelle tu es venu? Il dit, je te bénirai. Il dit, je vais pouvoir tes besoins. La pauvreté va partir. Quelqu'un là-bas, la pauvreté va partir. Le manque d'emploi va partir. Je n'ai plus rien à manger. Ces choses a déjà changé ce soir. Il pourvoira à tes besoins. Elle dit, je vais te sanctifier. Ouais, c'est parfois, quand nous les croyons venir ensemble comme ceci, c'est comme si j'avais apporté mon ami. Il va bénir ton ami, il va te bénir. J'ai amené mon voisin. Il va bénir ton voisin et te bénira également. Tout le monde ici ce soir, tu ne vas pas échapper au miracle ce soir. Quel que soit ce que tu as besoin, dont tu as besoin, le croyant là-bas, les croyants ici, il va te sanctifier. Et il te sauvera. Il dit, je te sauverai, je te guérirai, je te purifierai, je vais te délivrer, je vais te bénir, et je vais pouvoir tes besoins. Je vais te sanctifier. Ouais, ceci encore. Invoque-moi. Et je te répondrai. Et moi, t'annoncerai des choses cachées, de grandes choses que tu ne connais pas. Je vous passe ce soir sur la prière avec assurance pour les merveilles surnaturelles. La prière avec assurance pour des merveilles surnaturelles. Ce soir, il n'y a pas de doute. Ce soir, il n'y a pas d'incrédulité. Ce soir, il n'y a pas de peut-être ou je ne sais pas. Parce que c'est Dieu lui-même qui t'invite ce soir. C'est Dieu Tout-Puissant qui dit qu'il va t'exaucer ce soir. Il dit, c'est lui qui t'a dit de l'invoquer et qu'il va te répondre. Et qu'il va t'annoncer des choses, cacher des grandes choses. Des choses que tu n'as jamais connues dans ta vie. La prière avec assurance pour les merveilles surnaturelles. Voyez le verset 6. Voyez le verset 6 de ce même chapitre 33 de Jérémie. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. La guérison et la santé. Et je les guérirai. Et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Voilà ce que Dieu dit qu'il fera dans ta vie. Il dit, quelle que soit la maladie qu'elle a, le VIH-Sida sera guéri ce soir.
Et demain, tu vas partir pour l'examen. Et le résultat médical dira que c'est négatif. Plus de VIH-SIDA. Félicitations. Tu es ici ce soir. Parce qu'il dit au verset 6, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai. Et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Verset 8. Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi. Je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé. Toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles se sont révoltés contre moi. Voilà le verset 9. Et cette ville sera pour moi un sujet de joie. Ce peut voir votre joie ici. Je dis que si tu peux voir ta joie ici, ta grande joie est ici. Cela est écrit pour toi et t'attend là. Est-ce que le peuple de Ketou, je parle à vous. Est-ce que vous écoutez votre nom ici? Est-ce que vous voyez votre image ici? Est-ce que vous voyez la promesse de Dieu pour vous? Ce soir, tu vas te réjouir. De louange et de gloire parmi toutes les nations de la terre. Comme vous retournez chez vous ce soir, on verra la gloire sur votre visage, le miracle sur votre visage, la puissance de Dieu sur votre vie. Qui apprendront tout le bien que je leur ferai. Elles seront étonnées et émues de tout le bonheur et de toute la prospérité que je leur accorderai. Le Seigneur t'a invité ce soir. Toutes les fois que Dieu appelle quelqu'un spécialement, il appelle certainement toujours pour quelque chose de bien, quelque chose de spécial, quelque chose de spécifique. Et ce soir, le Seigneur t'appelle et tu seras un participant des promesses de Dieu au nom de Jésus. Voyez, ce message que Dieu a envoyé à toi. Et comme tu vois les messages que ce prophète t'apporte ce soir, le prophète nous dit trois choses. Numéro 1. Numéro 2, numéro 3. Et le prophète vient de la part du Seigneur. Numéro 1, il regarde à ton problème. Le problème. Numéro 2, il vient avec une promesse. Une promesse. Numéro 3, il vient avec la puissance de Dieu. Numéro 1, le problème de péché et de souffrance. Le problème de péché et de souffrance. Plusieurs personnes sont confuses. Plusieurs personnes disent ne le comprends pas. Je vais à l'église. Pourquoi cela doit m'arriver? Je suis religieux. Pourquoi cela doit m'arriver? J'étais né dans une maternité chrétienne. Pourquoi ceci doit m'arriver? Je lis la Bible. Pourquoi ceci doit m'arriver? Je suis baptisé dans l'eau. Pourquoi ceci doit m'arriver? Jérémie dit, je te dirai. Il dit, numéro 1, c'est le problème de péché et de souffrance. Le péché et la souffrance sont mariés ensemble il y a plusieurs années, depuis le temps d'Adam. Ils ne se sont jamais séparés. Jamais divorcé. Là, vous trouvez le péché, vous trouvez la souffrance. Le prophète nous dit, il dit, il y a un problème. Mais vous n'allez pas mourir dans votre problème. Votre vie ne va pas s'arrêter au point numéro 1. Votre vie va quitter le point numéro 1. Et quelqu'un est sorti du point numéro 1 là-bas. Il est où là-bas? Quelqu'un qui sort du point numéro 1 là-bas. C'est pourquoi je vais
venir t'inviter à la fin du message, te dit sors du point numéro 1, sors de tes problèmes, tu sors des problèmes. Est-ce que par là que ce soit là-bas? Est-ce que je peux voir ton visage? Tu as été sorti là-bas. Je sors. Dis-le avec moi, je sors. Ta vie ne va pas finir au point numéro 1. Point numéro 2. La promesse du salut pour ton âme. La promesse du salut pour ton âme. La lumière va remplacer les ténèbres. La joie va remplacer le chagrin. Les possibilités vont remplacer les impossibilités. La bonté de Dieu va remplacer toutes les œuvres agaçantes du diable. Le salut va remplacer tes péchés. Dieu va te porter comme un bébé. Il dit, tu es mien, je te pardonne. Je te lave, je change ta vie. Tu es maintenant mon enfant. Il va te mettre en un lieu spécial, spécifique dans le royaume de Dieu, de ce soir. Est-ce que tu m'entends? Je dis, est-ce que tu m'entends? Il dit, est-ce que quelqu'un m'entend là-bas? Je dis, de ce soir, la joie du salut, la joie de rédemption, la joie du pardon, la joie d'une nouvelle vie. La promesse du salut pour ton âme. Ta vie ne va pas s'arrêter là. Même si elle s'arrêtait là, le salut, c'est merveilleux. Mais ne va pas nous arrêter là. Jusqu'à ce que je te conduis au point numéro 3. La puissance va descendre en haut. Va pénétrer ton cœur. Rentrer dans ton foyer, dans ta famille, et vous allez rechercher où est la maladie. La maladie va fuir. Où sont les attaques sataniques? Les attaques sataniques vont disparaître. Notre la puissance surnaturelle pour la guérison surnaturelle du malade. La puissance pour la guérison surnaturelle du malade. Je me réjouis avec toi déjà. Je vois ce qui va t'arriver déjà. Je dis, je vois la puissance de Dieu venant sur toi ce soir. Numéro 1, le problème. Numéro 2, la promesse. Numéro 3, dites-le moi. Si ce sera près de toi à la fin, je dis numéro 3, c'est quoi? La puissance de la guérison surnaturelle pour le malade. Voilà rapidement le point numéro 1, le problème du péché et de souffrance. Voilà le prophète nous dit ici, il dit oui, la promesse est venue à vous. Mais quelle est la racine de votre problème? Ouais, l'origine de votre problème. Pourquoi est-ce que sa vie est ainsi? Le problème du péché et de souffrance. Jérémie chapitre 3, verset 13. Jérémie 3, verset 13. Reconnais tes iniquités. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu. Que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers sous tout arbre vert. Et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Voici la source du problème. Faut pas indulger. Faut pas dire je ne reconnais pas ce problème. Il dit reconnais. Accepte et confesse. Elle dit, oui, je connais la racine de mon problème. C'est le problème de mes problèmes, de mes péchés. C'est le problème du mal. Il nous dit, verset 25, de ce même chapitre 3.
Il dit, nous avons notre honte pour couche et notre ignominie pour couverture. Car nous avons péché contre l'Éternel, notre Dieu. Nous sommes confondus à cause de nos péchés. Nous sommes oppressés à cause du péché. Nous avons été détruits à cause du péché. La pauvreté, on peut nous permettre de manger à cause du péché. Il dit, à cause de ce que nous avons péché contre l'Éternel, notre Dieu. Nous et nos pères, dès notre jeunesse jusqu'à ce jour. Et nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu. Il dit, c'est là la raison pour laquelle nous souffrons. Il dit, il y a une connexion entre le péché et la souffrance. Si vous dites, le règne de bénédiction ne coule pas sur votre maison, si vous dites que la souffrance ne va pas vous permettre de vous reposer, la maladie et l'oppression ne vont pas vous permettre de respirer. Vous dites, oh, je ne sais pas pourquoi. Dieu est un bon Dieu. Dieu est un Dieu merveilleux. Il ne veut pas que quelqu'un souffre. Il dit, nous causons la souffrance pour nous-mêmes. Nous attirons la souffrance à nous-mêmes. Il dit, reconnais cela. Ne dites pas seulement, je prie. Il dit, reconnaissez l'origine de votre problème. Voilà le chapitre 4, verset 18. C'est là le produit de tes voix et de tes actions. C'est là le produit de ta méchanceté. Il dit, voici, c'est là le produit de ta méchanceté. 7, cela est amer. Cela pénètre jusqu'à ton cœur. Il dit, le chose même est en train de toucher ton cœur. Pénètre ton cœur. C'est comme si ton cœur va s'envoler. Il y a la crainte là. Tu es en train de lier la lutte là. Il y a les ennemis qui poursuivent ta vie là-bas. Et elle dit, mais pourquoi? Il dit, parce que tu l'as amené à toi-même. Tu as attiré toutes ces choses dans ta vie. Voilà le chapitre 4, verset 22. Je dois permettre au prophète de vous parler directement. Afin que vous ne dites pas, ça c'est ce que le pasteur Stéphane m'a dit. Non, voilà le verset 22. Chapitre 4, verset 22. Certainement, mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés. Il dit, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Il dit, leur voix est perverse. Ils savent comment voler. Ils savent comment tricher. Ils savent comment lutter. Ils savent comment opprimer. Ils savent comment attaquer. Ils savent comment détruire d'autres personnes. Et ils sont tellement malins. Ils peuvent faire le mal. Habiles à faire le mal. Mais ne sont pas pour faire le bien. Mais pour vivre mieux. Et cela ne sont pas cela. Ils savent comment boire l'alcool. Et ils savent comment utiliser quelque chose, un instrument pour attaquer. Ils savent comment tuer, ils savent pas comment secourir une vie. Ils savent comment souiller, ils savent pas comment maintenir d'autres purs. Elle dit, ça c'est leur problème. Ça c'est la raison pour laquelle ils souffrent. Le problème du péché et de la souffrance. Voilà le chapitre 5. Jérémie dit, si vous n'êtes pas convaincu ici encore que tous ces problèmes, ce n'est pas en vain. Pas seulement un jour, pas de l'amusement, ce n'est pas un hasard. Je souhaite que tu es né aux États-Unis, en Amérique. Oh, je souhaite que tu es. Si j'étais né à Londres, si j'étais né en Chine. Peut-être que je ne vais pas en train de souffrir. Il dit, non, notre pays, ouais. Il dit, non, le Nigeria ici. Pourquoi je suis né à ce lieu?
Parce que maintenant, c'est comme si je suis Nigérian. Que je suis en train de souffrir. Non, nous ne devons même pas accuser Nigeria ou Bénin ou Togo. Voilà le chapitre 5, verset 25. Jérémie 5, 25. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Ce n'est pas le pays qui est votre problème. Vous êtes le problème de vous-même. Voyez ce verset encore. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés, vos mal, vos méchancetés, vos violences, le fait de ne pas être près de Dieu, du côté de Dieu, vous séparer du Créateur, celui qui peut vous bénir, celui qui peut rendre votre vie heureuse. C'est pourquoi ce soir, vous allez quitter vos problèmes. Quelqu'un là-bas, sors. Tu vas sortir des problèmes du péché. Et ensuite, Dieu va sortir la souffrance de ta vie. Je pensais que tu vas dire Amen. Voilà le verset 26 ici. Chapitre 5, 26. Car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Cela veut dire quoi? Parmi mon peuple. Il dit qu'ils vont à l'église. Il dit qu'ils sont mon peuple. Ils sont baptisés dans l'eau. Il dit qu'ils sont mon peuple. Ils lisent la Bible. Ils disent qu'ils sont mon peuple. Il dit, il se trouve parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme l'oiseau qui dresse les pièges. Et ils tendent des filets et prennent des hommes. Verset 27, comme une cage remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraudes. Leurs maisons sont remplies de fraudes. Il dit, c'est notre problème. Mais Dieu merci ce soir, l'information est venue, la révélation est venue, que Dieu a envoyé une promesse. Et il envoya que ce problème ne va pas demeurer. Dieu envoie une promesse à vous ce soir. Et la puissance du Tout-Puissant Dieu va soutenir cette promesse. Et il va vous affranchir. Je dis qu'il va vous affranchir. Est-ce que vous attendez encore la promesse? Je dis, est-ce que vous attendez encore la promesse? Et voyez, s'il y a quelque chose, qu'il y a un problème, c'est lorsque les promesses viennent, ensemble avec la puissance, unis ensemble, c'est ce qui va chasser tout problème de ta vie. Tu vas sortir de ce problème de péché et de souffrance. Et ensuite, la puissance de Dieu viendra sur ta vie. Quelque chose de bon t'arrive ce soir. Tu vas sortir des ténèbres. Et que tu vas sortir des ténèbres, tu viendras à la lumière. Tu vas sortir de la méchanceté. Tu vas entrer dans la bonté de Dieu. Tu vas sortir du mal. Sortir du péché. Sors de la transgression. Sors de l'iniquité. Et tu vas entrer dans le pardon de Dieu. Cela va arriver que ce soir. Où est la personne là-bas? La bonté vient sur ta vie. La miséricorde vient sur ta vie. Le pardon vient sur ta vie. Le sourire d'en haut. Le sourire d'en haut viendra sur ta vie. Tu vas sortir. Tu seras affranchi comme libéré complètement comme un oiseau. Je dis que la culpabilité va partir. La condamnation va partir. Tu diras gloire à Dieu, je suis affranchi. Numéro 2, la promesse. La promesse du salut pour votre âme. Vous savez, cette personne, quand Jérémie est venu,
ils étaient dans la souffrance. Quand ils disent Jérémie, viens. Pourquoi ceci nous arrive? Jérémie, chapitre 8. Jérémie 8, verset 20. Jérémie 8, verset 20. La moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Et dit, nous attendons le salut du Seigneur. Dieu merci, la moisson pour toi n'a pas pris fin. Dieu merci, l'été pour toi n'est pas encore passé. Le temps du pardon n'est pas passé pour toi. Le temps de la joie pour toi n'est pas encore fini. Comme il demandait et qu'il disait, la moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse, l'épouvante me saisit. N'y a-t-il point de baume à Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Je dis que Dieu est ici ce soir. Et Dieu va te laver. Et Dieu va te purifier. Mais il y aura la prière qui sortira de ta bouche. Déjà il dit, invoque-moi. Invoque-moi. Mais tu ne vas pas permettre à dire, d'accord, je prie. Il va te dire comment prier. Quand Dieu te dit comment prier, elle dit, dis-moi maintenant, dis-moi ceci. Si tu dis ce qu'il a dit, le miracle viendra sur ta vie. Si tu dis ce que Dieu t'a dit de dire, afin que le salut vienne, et la guérison vienne, et la délivrance vienne, et la puissance vienne, et la promesse de Dieu vienne, ça s'accomplit sur ta vie. Je me réjouis avec toi ce soir. Est-ce que tu es encore là? Je dis, je me réjouis avec toi ce soir. Voilà la prière. Parce que cette prière va s'accomplir selon la promesse de Dieu. Jérémie 17, verset 14. Guéris-moi, Seigneur, je serai guéri. Oui. Il nous dit comment prier. Il dit, tu n'as pas besoin de faire ceci, d'aller ça et là, de courir ça et là. Il dit, dis-le simplement. Tu dis, je suis le malade, la malade. C'est moi qui ai le problème. C'est moi qui ai les attaques. C'est moi qui est pauvre, qui suis pauvre. C'est moi qui a besoin de ton aide. C'est moi qui a besoin de délivrance. C'est moi qui a besoin de toi, Seigneur. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Voilà le suivant. Sauve-moi, et je serai sauvé. Sauve-moi. Ça, c'est la prière que tu fais à Dieu. Personne d'autre ne peut te sauver. Cet homme a compris, a réalisé son problème. Maintenant, il a obtenu la promesse. Il dit, je viens avec la promesse en la présence de Dieu. Et je dis, rien, j'apporte tout chaud devant toi. Mes larmes ne peuvent pas essuyer mes péchés. Toutes ces choses, tout ce que je fais pour le péché ne peut pas réussir. Et mes sacrifices ne peuvent pas réussir. Est-ce que je peux sacrifier les pots d'huile? Est-ce que je peux brûler les bougies? Est-ce que je peux aller au rivière de Judée? Est-ce que je peux aller donner de l'argent aux pauvres? Et de rien dans ma main ne peut réussir. Je m'amène simplement, je présente devant toi. Parce que je regarde à l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu sacrifié pour moi. Agneau de Dieu qui est mort pour moi. Sauve-moi. Et je serai sauvé. Le salut est disponible ce soir. La promesse du salut pour ton âme. Pourquoi est-ce qu'il peut te sauver? Que tu n'as pas besoin de faire sacrifice. Tu n'as pas besoin d'apporter de l'argent. Tu n'as pas besoin d'amener quelque chose.
Jérémie nous dit, chapitre 23, verset 6. Jérémie 23, verset 6. En son temps, Judas sera sauvé. En son temps, en au temps de Christ, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que Christ est venu. Et en ce jour, Judas sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera. Voici le nom dont on l'appellera. L'Éternel, notre justice. L'Éternel, notre justice. Il dit, tu es venu au Seigneur et tu dis, je ne suis pas juste. Je suis un pécheur. Je suis souillé. Je suis sale. Mais Jésus est venu pour moi. C'est le juste sauveur. Et il est ma justice. Et je lui ai donné mon péché. Il me donne sa justice. Et je peux dire maintenant qu'il est le sauveur, l'Éternel, notre justice. L'Éternel, notre justice. La promesse du Seigneur est ici. Quiconque viendra, sortant des problèmes, quiconque va venir, sortant des ténèbres, quiconque qui viendra, sortant de la dégradation, de la honte, quiconque viendra à moi, je ne le rejetterai point. C'est pourquoi, comme tu viens ce jour, le salut t'attend déjà, le pardon t'attend déjà, la purification t'attend déjà. Parce que c'est ce qu'il dit qu'il fera. Mais tu dois faire quelque chose. Tu dois prendre la résolution et décider, je viens, je sors. Comme tu sors, les problèmes de péché, de maladie, de souffrance prendront fin. Ce soir, je te vois affranchi. Ce soir, je te vois sauvé. Ce soir, je te vois sortant de ce mal, cette mauvaise chose. Comme tu sens, les problèmes sont partis. Le péché est parti. La condamnation est partie. Voyez, Jérémie, chapitre 51. Jérémie 51, verset 44. Jérémie 51, voici, verset 44. Mon peuple, sortez. Il dit, je t'aime, je veux te sauver, je veux te pardonner, je veux te faire t'amener au milieu des gens favorisés au ciel. Elle dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Verset 45. Vous faites partie de ceux-là. Il dit, sortez du milieu d'eux. Vous faites partie, vous êtes parmi les méchants, les méchants, les violents. Et vous avez des flèches et des machettes et des épées. Partout vous entendez, il y a de confusion. Donc vous prenez votre machette, vous allez là-bas. Prenez-vous-en, vous allez là-bas. Et dit, vous êtes un enfant de salut. Vous êtes un enfant de paix. Déposez votre âme et sortez d'entre eux. Partout vous entendez qu'il y a, de l'occultisme. Et il y a de magique. Il dit, donne-moi le talisman. Vous êtes un enfant de salut. Il ne veut pas que tu périsses dans ces conditions. Ouais, après avoir fait toutes ces choses, voilà ce qui t'arrive la nuit. Voilà ce qui a toutes les présences sur ta vie la nuit. Le problème de ton péché et de ta souffrance. Mais ce soir, ta délivrance est venue. Ton pardon est venu. C'est pourquoi il dit dans ce verset 45, sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie en échappant à la colère ardente de l'Éternel. Numéro 1, le problème. Vous sortez de votre problème. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous parlez à quelqu'un là-bas?
quelqu'un qui ressortit de ce problème là-bas. Numéro 2, la promesse de Dieu va te rencontrer sur le chemin. Comme tu te lèves, et je dis, où est-ce que tu vas? Je vais à Jésus, je vais à mon sauveur. C'est lui mon sauveur, le sauveur de notre justice, l'éternel de notre justice. Comme tu viens, Jésus le sauveur va te rencontrer sur le chemin. Le pardon va te rencontrer au chemin. Le salut va te rencontrer au chemin. Et ensuite, la puissance. Aide-moi à crier puissance. Je veux entendre un mot. Je veux entendre que tu cries puissance. La puissance de la guérison surnaturelle pour le malade. Gloire à Dieu ce soir, tu es guéri. Je dis gloire à Dieu ce soir, tu es guéri. Jérémie 33. Verset 6. Jérémie 33, verset 6. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Il dit qu'il va emporter la guérison d'en haut. Il dit, je lui donnerai. Pendant que tu sors des problèmes, tu sors de du péché, tu sors de la souffrance, tu sors de la maladie, tu sors de la ténèbre, tu sors de l'occultisme. Il dit, pendant que tu viens, je vais te rencontrer au chemin, je vais apporter à toi la guérison et la santé, et je les guérirai. Pas seulement une personne. À droite là-bas, la guérison. Au centre là-bas, la guérison. À gauche là-bas, la guérison. De derrière là-bas, la guérison. Pour cet enfant là-bas, la guérison. Maman, je vois la guérison venant. Guérison. Papa, la délivrance et la guérison là-bas. Cela viendra sur ta vie. Je dis que cela viendra à toi. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Et s'il y a une attaque là-bas, la délivrance est venue. Je dis que la délivrance est venue. Ce soir, tu vas dormir comme un bébé. On te pressait sur le lit. La puissance de Dieu va être chassée de toi. Le miracle de guérison. Miracle de délivrance. Jérémie 50. Verset 21. Jérémie 15. Verset 21. Je te délivrerai. Qui parle ici? Qui est de qui Dieu parle ici? La joie de l'Éternel ne va jamais quitter ta vie. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Et cette maladie violente qui est venue sur ta vie, ce soir, la guérison est venue. Jérémie 30, verset 17. Mais je te guérirai. Je panserai tes plaies. Je panserai tes plaies. Les blessures d'ulcère à l'intérieur, il va te guérir de ce mal. Les maladies intérieures de cancer, il va te guérir de cela. Tu ne vas pas mourir de ce cancer. Ta vie est précieuse devant le Seigneur. Tous ces écoulements de sang, ce soir il va te guérir. Car je te guérirai. Car il dit, je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Parce qu'il t'a appelé car il t'appelle à la repousser. Cette Sion dont nul ne prend souci. Ta maladie est tellement devenue terrible que les gens qui dépassaient de l'argent pour prendre soin de toi, ils t'ont fui. Ils t'ont abandonné. Ils disent, c'est parce que si tu serais vraiment guéri ou pas, ils te verront cette semaine. Ils te verront guéri. Ils te verront délivré. Ils disent,
Est-ce que c'est elle-même? Est-ce que c'est une autre personne? Et tu vas te rapprocher et tu souris. Et ils mentionnent le nom. Ils disent est-ce que tu es une autre personne ou bien tu es une autre personne? Tu commences à leur dire l'histoire, à leur raconter l'histoire. L'histoire, tu vas leur raconter l'histoire. Voici mon histoire. C'est mon témoignage. Quelqu'un a un témoignage là-bas. Cela t'arrivera au nom de Jésus. Voyez le verset 22. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Dieu peut-il le faire pour vous ce soir? Et que ce Dieu vous le fera ce soir? Ce problème, est-ce qu'il va l'enlever? Cette maladie, est-ce qu'il peut te guérir de cette maladie? Cette infirmité, est-ce qu'il pourra l'enlever ce soir? Y a-t-il quelque chose de très, très dur à Dieu de faire? Y a-t-il quelque chose d'impossible à Dieu de faire? Je te souhaite la bienvenue à la pluie de miracles. Sois la bienvenue au miracle surnaturel. Bienvenue aux signes et des prodiges ce soir. Les promesses de Dieu sont venues pour te délivrer. Jérémie 32, verset 17. Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Et rien n'est étonnant de ta part. Le cancer n'est pas étonnant à Dieu. La paralysie n'est pas étonnant à Dieu. L'aveuglement n'est pas étonnant à Dieu. La souffrance n'est pas étonnant à Dieu. L'oppression n'est pas étonnant à Dieu. Ce soir, la guérison est venue. Ce soir, la délivrance est venue. Numéro 1, le problème. Numéro 2, la promesse. Numéro 3, la puissance. Ceux qui répondent au numéro 1 et vous sortez du problème, vous dites, je veux le salut, je veux le pardon, je veux la faveur de Dieu, je veux le pardon de Dieu. Numéro 1, vous sortez du problème. Jésus-Christ, je viens. Sauveur, je viens. Mon rédempteur, je viens. Comme tu sors, la promesse de Dieu va te raconter sur le chemin. Il va te pardonner. Il va te laver. Il va te sauver. Il va changer ta vie. Tu ne seras plus jamais la même personne. Comme la toute promesse à Dieu de venir, et que la promesse devient, la puissance va suivre. La puissance va suivre. Le miracle va se prendre, aura lieu ce soir. Le miracle va compter avec toi au cours de la semaine, tout au long de ta vie. Des miracles, des miracles, des miracles. Enfant de miracle. Fille de miracle. Papa, cela vient à toi. Maman, cela vient à toi. Petit garçon, petit fils, cela vient à toi. Tu sors du problème. Et ensuite, la promesse de Dieu sera oui et amen sur ta vie. Est-ce que tu es prêt? Je dis, est-ce que tu es prêt? Je dis, est-ce que tu es prêt? Où es-tu là-bas? Je dis, où es-tu là-bas? Le ciel parle à toi. Le ciel parle à toi. Le ciel dit, voici ton jour de salut. Il dit, voici ton jour de délivrance. Voici ton jour, le jour de puissance. Les têtes baissées, les yeux fermés, tu as vu le problème, c'est le problème du péché et de la souffrance. Si tu dis, je reconnais cela, je reconnais cela, je confesse cela, je sors du péché, je sors de la souffrance, je veux prendre part à la promesse de Dieu, je veux participer à la puissance du salut. Partout où tu te trouves, tu lèves ta main. Dis oui, éternel Seigneur, me voici. Je suis candidat pour le miracle. Candidat pour le miracle de salut. Candidat pour le miracle. Pour le miracle de pardon. Seigneur, je suis ici. Ouais, c'est une prière simple. Et Seigneur, je suis perdu, sauve-moi.
Je suis un perdu pécheur, sauve-moi. Je suis mauvais, rends-moi bien. Je suis souillé, lave-moi. Je suis coupable, ôte ma condamnation. Seigneur, je viens. Rien dans mes mains, j'apporte. Jésus seul est ma justice. C'est lui qui est mort pour toi, pour te sauver et pour ôter tes péchés. Dis-le Seigneur, dis-le Seigneur. Dis Seigneur, je viens, je sors. Je sors physiquement, spirituellement. Je sors de toutes ces mauvaises choses. Je sors de ce péché. Je sors pour ton salut. Je sors, je viens pour ton salut. Je sors pour venir pour ton pardon. Il va répondre à Baptiste. Invoque-moi. Je te répondrai. Et je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Levez la main maintenant. Nous allons prier ensemble. Père, au nom de Jésus, te remercions pour ceux qui sont sortis du plan de péché et qui disent au revoir mal. Je prie que ce soit la soirée de leur salut, la soirée de leur pardon. Toutes les condamnations soient essuyées, toute culpabilité soit ôtée. Je prie, Seigneur, que ta joie du salut vienne dans leur vie et la nouvelle vie vienne à eux selon ta promesse. Sauve-les, pardonne-les, écris leur nom dans le livre de vie. Que cette soirée soit la soirée de joie pour eux qui sont maintenant enfants de Dieu. Je prie, Seigneur, que ta grâce coule dans leur vie à débordement. Ta grâce va remplir leur vie. Ils ne vont pas retourner à ces choses mauvaises. Confirme ce salut dans leur cœur. Merci parce que c'est ce que tu l'as dit à faire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Gloire à Dieu. Ce soir, c'est cette soirée. C'est la soirée de puissance. C'est la soirée de miracles. C'est la soirée des signes et des prodiges. Vous ne serez pas un spectateur. Toi, là-bas en particulier, je dis toi là-bas, tu ne seras pas un spectateur. Y a-t-il maladie là-bas? Y a-t-il une infirmité là-bas? Y a-t-il une oppression là-bas? Y a-t-il une affliction là-bas? La main de l'Éternel te touche déjà là-bas. Souviens-toi du problème. Le problème du péché, de la souffrance. Maintenant, on a pris soin du problème de péché. La souffrance doit partir. La souffrance doit fuir ta vie. La maladie doit quitter ta vie. Et que soit le nom de la maladie. Identifie cela là-bas maintenant. Mets ta main là où se trouve ce problème. Et en prier. La promesse de Dieu est oui. Il dit, je le ferai. Je te guérirai. Je te donnerai la santé. Je vais te délivrer. Il ne peut pas échouer. Lève la main. Lève ta main si tu attends la guérison. Tu espères la guérison. Tu espères le miracle. Et ensuite, après que nous allons prier, tu lèves une main maintenant et tu poses l'autre main là où tu as le problème. Quel que soit le problème, cela doit partir. Donne-moi un amen de Ketou là-bas. Cela doit partir. Parce que la puissance vient. Et la puissance vient à vous maintenant ce soir. Si vous êtes aveugle, vos yeux aveuglés vont s'ouvrir. Si tu es paralysé, tu vas te lever et marcher. S'il y a de tumeurs en toi, cela va disparaître. Le cancer va sécher. L'ulcère va sécher. Le VIH-Sida va disparaître.
et que soit le nom de la maladie. Le nom de Jésus est plus grand que toutes les maladies. Tu lèves une main, tu poses l'autre main sur toi-même. Quand tu entends l'amen final, c'est fini. Je dis que c'est fini. Est-ce que tu es prêt? Père, au nom de Jésus, nous glorifions ton nom ce soir. Tu es le Dieu puissant, le créateur des cieux et de la terre. Et il n'y a rien qui soit étonnant à toi. Tu nous as promis. Tu as dit que tu vas guérir. Tu as promis. Tu as dit que tu vas délivrer. Tu as promis que je vais te délivrer. Tu as promis que tu vas donc nous annoncer des choses cachées. Grande chose. Nous invoquons ta puissance sur chacun ici ce soir au nom de Jésus. Cette attaque démoniaque, je te commande. La délivrance est venue maintenant. Je te commande, toi, mauvais esprit, mauvaise puissance, sortez au nom de Jésus. Cette tumeur dans ton corps, dans nous, toute partie de ton corps, est-ce que c'est la tumeur de cancer ou la tumeur de, quel que soit les enflements ou de fibromes ou bien de goitre ou de toute forme de maladie là-bas. Je commande à cette tumeur, sois au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ceux qui ont quelque chose qu'ils appellent maladie incurable. Et tu as laissé ça et là, tu n'as pas été guéri. Ta guérison est venue à toi ce soir maintenant même. Seigneur, touche-les, guéris-les au nom de Jésus. Que ta puissance frappe cette maladie incurable-là. Que ta puissance écrase cette maladie de la vie. Délivre-les et brise toujours ce soir au nom de Jésus. Ce testament, je te commande, sois guéri maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ceux qui ont l'écoulement de sang, la perte de sang, ce sang qui est perdu tout le temps. Je commande maintenant cette perte de sang soit desséchée au nom de Jésus. Tous ceux qui circulent dans ton corps, je commande cet objet démoniaque, ce genre d'objets sataniques, démoniaques dans ton corps, sortez au nom de Jésus. Cette malédiction qui est répandue sur ta famille, je balais cela au nom de Jésus. Cette puissance, je te commande, sois guéri au nom de Jésus. L'ennemi, sois-en guéri au nom de Jésus. La plaie qui refuse d'être guérie, je commande à cette plaie de se dessécher maintenant. Sois guéri au nom de Jésus. Si tu amènes quelqu'un sous le mur, rapproche-les maintenant. Ses oreilles sourdes sont en train de s'ouvrir. La langue muette est en train de parler. Je te commande, sois guéri au nom de Jésus. Les oreilles sourdes et entendez maintenant. Les oreilles sourdes, écoutez maintenant. La langue liée soit déliée. C'est affranchi là au nom de Jésus. Je prie pour ceux dont les yeux sont aveuglés, le cataracte dans tes yeux, le glaucome dans tes yeux, l'aveuglement total, complet. Je prie que la main de Dieu te touche maintenant. Les yeux aveuglés soient guéris au nom de Jésus. Ouvrez ses yeux et voyez. Que la lumière pénètre ses yeux. Que la vue éclatante soit connectée à ses yeux. Soit guérie au nom de Jésus. Ceux qui ont de maladies de tension ou qui ont la paralysie. Ou bien c'est votre force, vous ne pouvez pas tenir debout. J'envoie la puissance de Christ dans votre corps. Sois guéri au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Que la force vienne. Que la puissance vienne. Que la force d'en haut vienne. Et te lève
Reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour chacun. À ma droite, la guérison, le miracle, le signe de prodige. Devant moi, la guérison, le miracle, le signe de prodige. Derrière là-bas, reçois la guérison là-bas. Reçois ton miracle. Reçois ta signe de prodige. À ma gauche là-bas, la guérison, le miracle, le signe de prodige. Partout, les cris de miracle, partout, des cris de guérison. Partout, des cris de délivrance. Reçois au nom de Jésus. Seigneur, confirme-la partout. Merci parce que c'est ce que tu l'as déjà fait. Merci parce que c'est ce que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Remercie Dieu car tu l'as reçu. Remercie Dieu car tu l'as reçu. Je dis remercie Dieu car tu as reçu. Tu es guéri. Dieu merci, tu es délivré. Il a brisé tout joug dans ta vie. Examine-toi, tu as un témoignage. Examine-toi, ton miracle est là. Dieu